Une anthologie est une série télévisée racontant des histoires complètes et bouclées sur un épisode ou une saison entière. De ce fait, elle n'a pas de personnage récurrent ou régulier puisqu'il change à chaque fois. Une série anthologique est donc une série dans laquelle la structure narrative est identique et répétitive entre les épisodes ou les saisons. Il y a quand même un lien en commun entre toutes les histoires, qui se relie le plus souvent sous une même bannière, comme un thème en particulier. Et puisque chaque épisode ou saison est indépendant et raconte une histoire originale à chaque fois, ils peuvent se regarder dans le désordre. Les anthologies les plus connues sont La Quatrième Dimension, Alfred Hitchcock présente, ou encore Au-delà du réel. Elles ont toutes un narrateur, seul grand point en commun entre les épisodes, qui les introduit et les conclut. Mais les anthologies peuvent se passer de narrateurs, comme la série Black Mirror, qui garde tout de même l'idée d'épisodes indépendants les uns des autres. Pour les séries qui ont des saisons indépendantes, elles sont apparues courant 2010, avec American Horror Story qui a comme genre l'horreur, True Detective qui est sur de l'enquête, ou encore la série Fargo avec le thriller. Mais la particularité d'American Horror Story est que ce sont les mêmes acteurs qui jouent, de saison en saison, de nouveaux personnages. Cela permet de maintenir un lien affectif avec les acteurs, pour garder les téléspectateurs qui pourraient être déroutés par le changement de casting. Cette idée fut gardée avec une série anthologique de Netflix, The Haunting of Hill House, qui change de nom à chaque saison, comme pour sa seconde qui fut nommée The Haunting of Bly Manor. Une série anthologique est donc un cas à part dans l'univers sériel. Différente dans sa forme, elle n'en est pas moins intéressante et surprenante, ce qui change avec le concept de série que nous connaissons, où nous suivons sur toute son existence un seul et même groupe de personnes. Et voilà, vous savez à présent ce que signifie le mot anthologie. Rendez-vous dans un prochain épisode pour une nouvelle définition du monde sériel.